licence AES à Paris 13 s'adresse à des étudiants qui ont le désir d'être des généralistes, de mieux appréhender le monde du travail dans sa généralité, qui cherchent à se découvrir sur 3 ans, qui ont peur peut-être d'opter directement pour une licence juridique ou une licence économique et qui souhaitent une voie médiane pour se découvrir et se spécialiser en 3 ans. On recherche plus spécialement des étudiants issus de l'actuel bac général, c'est-à-dire les bacs L, les bacs ES ou les bacs S, et dans le cadre de la future réforme du bac, des étudiants qui ont choisi des spécialités comme sciences économiques et sociales, histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, et qui n'ont pas non plus oublié la nécessité d'avoir des bases en mathématiques ou en langue anglaise, voire en philosophie. Il est très important pour la réussite en licence d'AES de savoir parfaitement s'exprimer à l'oral et d'avoir une très bonne expression écrite. La licence AES à Paris 13 peut aussi être accessible aux bons étudiants, les étudiants avec mention notamment, qui ont choisi la voie d'un bac technologique tertiaire. L'intérêt de la licence AES, c'est une licence généraliste. La première année est une année de découverte. On part du principe qu'un étudiant qui vient d'un lycée n'est pas un spécialiste en droit, n'est pas un spécialiste en sociologie, n'est pas un spécialiste en économie. Donc la première année est une année de découverte, notamment de ces 3 grandes matières qui caractérisent l'AES, sociologie, économie et droit, en particulier droit constitutionnel et introduction au droit privé. Bien. Puis comme je l'ai dit, progressivement, dès la deuxième année, les matières sont plus spécialisées, plus techniques, plus juridiques, plus économiques. On retrouvera du droit administratif, on retrouvera encore de la sociologie, on retrouvera de l'économie appliquée, je pense notamment aux cours de marché et institutions. Il s'agit donc de progressivement spécialiser les étudiants en douceur pour qu'en troisième année, ils puissent enfin opter soit pour le parcours licence AES, parcours entreprise, plus orienté vers le monde de l'entreprise et les attentes de l'entreprise, soit vers notre nouvelle licence, notre nouveau parcours de la licence AES, le parcours gestion publique, qui est à destination des acteurs publics, des concours administratifs et pour les meilleurs d'entre eux, vers les masters de droit public. Nous avons institué des stages professionnels. Le stage est une obligation, que ce soit dans le parcours entreprise ou le parcours gestion publique. Le stage est pour moi un moment où l'étudiant peut mettre en application toutes les connaissances qu'il a pu acquérir durant ces 3 années. Donc à l'issue de ce stage, il y a une présentation de la part de nos étudiants de l'activité, du travail qu'il a pu effectuer dans le cadre de ce stage. Optez pour le parcours entreprise, vous pourrez accéder à des masters de gestion, des masters d'économie ou des masters de droit des affaires. Il y a bien sûr la possibilité pour nos étudiants d'intégrer les masters banque, plus spécialisés dans la banque, dans les finances ou dans l'économie d'entreprise. Si vous optez au contraire pour la gestion publique, vous pourrez opter pour des masters de droit de la collectivité locale, des masters de gestion publique, des masters de marché public, voire des masters de droit public généraux. Il est très important de comprendre l'évolution de la sphère publique. La sphère publique ne recrute pas exclusivement par voie de concours. Elle peut recruter par voie contractuelle. Et malheureusement, peu d'étudiants connaissent ce type de recrutement qui est quasiment désormais identique au recrutement d'une entreprise classique. Réussir une licence AES nécessite d'abord une prise de conscience dès le premier jour.
C'est-à-dire que dès le premier jour, il faut faire le deuil du lycée, arriver dans un nouvel univers, des nouvelles méthodes de travail, peut-être plus impersonnel, donc il faut avoir une certaine maturité, savoir qu'on va se retrouver seul dans un grand amphithéâtre à prendre un cours, donc la difficulté de prendre un cours, ce n'est pas donné à tout le monde, la difficulté de s'intégrer dans un travaux dirigé, de découvrir de nouvelles matières, donc ça sous-entend une certaine maturité et une prise de conscience de ces nouvelles règles du jeu dès le premier jour. Dès le premier jour. Ensuite, il faut un travail régulier. Nous avons la chance à Paris 13 d'avoir d'abord un corps enseignant qui est tout à fait à l'écoute de nos étudiants. En première année, nous ne prenons que 300-350 étudiants. Nous refusons d'aller au-delà de ce chiffre, ce qui permet un travail en groupe, des petits travaux en groupe et de la part des professeurs qui assurent des cours magistraux d'être à l'écoute au plus près des étudiants qui ont choisi cette licence. Réussir en AES nécessite aussi une bonne assiduité en cours, un travail régulier, une bonne assiduité en travaux dirigés. La sélection en master, désormais, s'effectue à la fin de la troisième année. Il est très important qu'un étudiant, dès la première année, sache que tout son dossier universitaire, toutes les notes qu'il va obtenir dans le cadre de ces trois années, sera étudié par un jury lors de l'accès en master. Un étudiant doit, dès la première année, préparer son dossier s'il souhaite accéder désormais au master, la sélection s'effectuant à la fin de la licence. La licence AES Paris 13 est une licence qui est généraliste, qui part du principe que certains lycéens ne savent pas immédiatement à la fin d'un baccalauréat s'ils souhaitent soit être vers une licence de droit, soit vers une licence économique. Donc la licence AES est une licence pour les étudiants qui souhaitent prendre le temps de se découvrir. C'est une licence médiane, je dirais. Donc on laisse le temps aux étudiants, en 3 ans, d'appréhender des matières juridiques, des matières économiques, des matières sociologiques, et au fur et à mesure de leur maturité, de soit se spécialiser dans une voie beaucoup plus entreprise, soit dans une voie plus gestion publique. En entreprise, je suis d'abord particulièrement ravi de voir la réussite de nos étudiants en école de commerce. C'est-à-dire que beaucoup d'étudiants ont réussi le concours passerelle et ont été intégrés dans des écoles de commerce où on leur a dit que Paris 13 avait une très bonne licence d'AES et que nos étudiants étaient parfaitement formés.